Incroyable. Bah moi j'ai kiffé. Hein. On l'a kiffé. C'était trop bien. Je m'appelle François Pestel, je suis circassien et j'interviens dans le cadre d'un Cléa avec la compagnie La Plaine de Joie. Un Cléa, c'est un contrat local d'éducation artistique qui permet à des compagnies et à des artistes d'intervenir dans les Hauts-de-France. Une main, tac, maintenant les genoux, ça craint absolument, je te jure. Non. Alors avance un peu ton genou, voilà, tac, et le deuxième. Réfléchis pas, hein. Là, je suis intervenu au lycée Léo Lagrange pour faire des acrobaties portées avec des élèves de différentes classes, différents niveaux qui ne se connaissaient pas forcément. Et pour faire un numéro d'acrobaties portées, tous ensemble, on a eu 6 heures du coup pour créer ce numéro. Hey! Ça a vraiment été un temps de découverte pour eux et vraiment du faire ensemble. C'est vraiment l'objectif pour moi dans ces ateliers en acrobatie portée, c'est vraiment créer un temps ensemble et faire ensemble, en collectif, le numéro. Tu retournes les mains. Voilà, tu croises les bras. Non, croise les bras et tu serres les mains. Ok, on passe à l'intérieur. Voilà, on va poser les doigts, les index, sur le nez. La grande question est pourquoi moi je suis décroisé et pas vous alors qu'on a fait la même chose? Ouais, d'accord. On est d'accord qu'on a fait la même chose. On lâche une main, juste un contrepoids, on reprend le premier et le deuxième. Ok. Tu penches en arrière. Tiens les épaules, il y a besoin. Il y en a pas mal de changements, il y en a qui sont absents, il y en a d'autres qui sont là en remplacement, tout ça. Donc on va réadapter dans un premier temps tout ce qu'on a fait. On va compléter, on va tout refaire et après on fera en musique, on se le fera plusieurs fois. Beaucoup de plaisir parce qu'ils sont vraiment investis dans l'exercice aussi et dans la création du numéro. Ils ont été moteurs sur l'ensemble des choses et ça a vraiment été un plaisir pour moi de faire tout ça avec eux aussi et de chercher les possibilités avec eux.